Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de la fin de 2023 et début 2024. Alors, je tiens à vous souhaiter de joyeuses fêtes à tous et à tous qui m'écoutez. Je suis vraiment heureux de vous revoir, hein, enfin. Fin 2023 égale début 2024. Ça veut dire que... Je sais qu'on n'a pas fait grand vidéo, moi pis Kev, des podcasts, moi pis Kev, cette année. On a manqué un petit peu de temps, mais pour 2024, je vous garantis qu'on va en faire de plus en plus. Faut juste trouver la bonne technique, la bonne chose à faire. Je voulais juste vous dire merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout le monde qui sont venus nous encourager au Brasseur et au Laboratoire du Brasseur. Et certaines personnes font même les deux. Alors, merci énormément du fond du cœur. Je le sais qu'il y a eu un petit peu moins de vidéos cette année qu'à les habitudes, ou à mes habitudes. C'est tout simplement parce qu'il y avait le channel de Fitz, il y avait ici, il y avait le TikTok qu'on a essayé. Et ça fait en sorte que, j'ai fait beaucoup de vidéos au début de l'année, puis un petit peu moins vers la fin. Et c'était des points des montagnes russes. Ça aussi, parce que j'ai manqué un petit peu de personnel. On a passé de 14 employés à moi tout seul. Mais ça, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Alors, 2024 va être rempli de nouveaux vidéos. Alors, si tu veux m'aider à faire des nouvelles vidéos, dites-moi là en commentaire qu'est-ce que ça vous tente d'écouter. Et ça va me faire un grand plaisir de vous le partager. Sur le channel de Fitz, on avait commencé à faire l'histoire de la bière. Hein? On parlait de l'histoire de la belge, l'histoire de la blonde, l'histoire de la colche, l'histoire de la marzaine. Si c'est de quoi que vous intéresserait qu'on le mette sur notre channel du Brasseur, ben dites-moi là en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir de vous refaire des vidéos du même type pour mettre sur le Brasseur. J'espère que l'année 2024 va être remplie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de brasseurs amateurs que 2023. Parce que 2023 a été vraiment des montagnes russes, hein, les amis? Beaucoup de micros ont fermé. J'espère que 2024 va faire en sorte que de plus en plus de personnes vont commencer à brasser. Et on va refaire des tutoriels pour le brassage amateur. Peut-être aussi le cours complet qu'on donne ici au Laboratoire du Brasseur et au Brasseur. Peut-être qu'on va le mettre en vidéo Patreon. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le mettre sur des plateformes pour vous payer. Puissiez le payer et le suivre au complet. Si c'est de quoi qui vous intéresse, dites-moi-les. Le temps des fêtes, c'est une période remplie de bonheur et de joie. Et je suis très heureux de vous retrouver l'année prochaine, en 2024, pour d'autres vidéos, d'autres tutoriels. On va essayer d'aller un petit peu plus à l'entrepôt. J'ai manqué de temps cette année, les amis. J'ai manqué énormément de temps. J'ai couru partout. J'espère que 2024 va être encore pire et qu'on va avoir encore beaucoup plus de clients. Si ça fait longtemps que tu n'as pas brassé, dis-moi en commentaire pourquoi. Je suis tout simplement curieux et savoir qu'est-ce qui t'inciterait à recommencer. Alors, on se dit à l'année prochaine, tout le monde. Ciao!